ce que j'ai lu dans les journaux et ce qu'il y aurait dans le dossier d'après la presse ne me paraît pas pouvoir prospérer, comme on dit, et aboutir à un jugement. La justice fonctionne comme elle l'entend, hein, mais elle était assez surprenante. La présence de d'un magistrat tel que l'ancienne présidente du conseil du syndicat de la magistrature, c'est également évidemment une atteinte à l'impartialité du juge. Tout ça, devant la Convention européenne des droits de l'homme, ça ne tient vraiment pas la route.